C'est vrai, chers téléspectateurs et auditeurs, ainsi qu'internautes de la télévision Nouvelle du Salut TV, depuis l'IMETE, 11e rue, ici à Kinshasa. Nous sommes ici avec un homme de Dieu, qu'on juge, que moi je juge intègre par rapport à sa façon de voir les choses vis-à-vis de l'intérêt du Christ. Quand je parle de l'intérêt du Christ, c'est l'Église. Nous allons aujourd'hui parler avec lui sur un thème très important pour le bien de l'Église. Le thème de notre émission d'aujourd'hui ici à Nouvelle du Salut Télévision, c'est l'année du salut des âmes. C'est ce qui est important d'après la parole de Dieu au niveau de la Bible ou dans la Bible. Donc, nous allons aujourd'hui savourer la parole de Dieu auprès de l'homme de Dieu qui est l'esclave du Seigneur. Bonjour. Bonjour, bien-aimé. Soyez bénis. Si vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs ainsi qu'aux internautes que nous sommes en ce moment. Merci beaucoup pour la parole. Avant même que je me présente, je voudrais d'abord saisir l'opportunité pour bénir tous les enfants de Dieu qui nous suivent, ainsi que tous les hommes, les femmes qui nous suivent de partout, et leur souhaiter un bon commencement d'année et une meilleure année 2023, au nom de notre Seigneur Jésus. Je m'appelle Pasteur Basile Chilombo Bilenga. Je suis pasteur responsable de la grande communauté des églises, je peux dire, ou en un mot de l'église Nouvelle du Salut. Le siège principal de cette église est situé ici à Kinshasa, au quartier Livoulou, dans la commune de Lemba. Et c'est ce que je peux dire pour ce qui est de mon travail en tant qu'homme de Dieu, en tant que serviteur du Seigneur. Ça fait combien de temps depuis que vous êtes dans le ministère? Merci, bien-aimé. Cette question, elle est bonne. Ça fait plusieurs années que le Seigneur m'a appelé. Je me souviens, le Seigneur m'a appelé vers la fin de l'année 1991, ce qu'on peut dire 1991. Ça, d'après les Français. Oui, d'après les Français. J'ai été invité dans une veillée de prière. Et pour y aller, j'avais beaucoup résisté, beaucoup, parce que je ne voyais pas que je ne comprenais pas, je n'avais pas la connaissance des choses de Dieu. Quelques frères m'ont tellement harcelé que j'ai dû accepter. Et c'est pendant cette nuit de prière-là que j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Mais moi, je ne savais pas que j'étais baptisé du Saint-Esprit parce que pendant la nuit de prière, je me suis mis à parler en langue. Pour la première fois, je ne savais pas aussi ce qu'on entendait ou ce que ça pouvait signifier. C'est maintenant, avec le temps, avec la connaissance, que je comprends que, effectivement, c'est cette nuit-là que j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Et pour ce qui est du ministère, vu le charisme que j'ai eu depuis cette nuit-là, parce que le lendemain de cette rencontre-là, de la manière que le Seigneur m'avait appelé, j'ai prié pour quelqu'un. Et pour la première fois, je ne savais pas toujours. Et la personne était là et tombée. Et il y avait des voix qui sortaient. Ça, je dis des voix pour ce temps-là, parce que je ne savais pas que c'était des démons qui sortaient de lui, qui s'enfuyaient. Au niveau de la personne dont vous priez, oui, il y avait quelqu'un qui parlait à l'intérieur de lui. Qui parlait à l'intérieur de lui, des voix. Je pars, c'est fini. Alors moi, je ne connaissais rien du tout. Et bon, c'est maintenant que je sais que c'était des démons qui fuyaient, qui sortaient.
Et à cause de ce charisme-là... Là, c'est dans 1991. 1991, oui. Donc, déjà au début de votre conversion... Oui, oui. Ma conversion n'a pas duré, j'ai dit, dès le jour que j'ai reçu Christ, dans la nuit de prière, j'ai parlé en langue, je comprends, je sais. J'étais baptisé du Saint-Esprit cette nuit-là. Le lendemain, j'ai prié pour quelqu'un qui est tombé, et c'était un vieux papa malade. Il fut guéri. Et les voix sortaient de lui que je ne connaissais pas pour ce moment-là. Et ces voix-là, c'était des esprits malins. Si je comprends bien, pasteur, donc vous avez reçu le Seigneur et vous avez été directement baptisé par l'Esprit. Tout à fait, tout à fait. C'est d'ailleurs biblique. Oui. C'est d'ailleurs biblique quand un homme reçoit le Seigneur et qu'il a la grâce directement. Parce que si vous voyez les modes par lesquels le Saint-Esprit peut visiter les gens, baptiser les gens, ça peut être aux eaux du baptême, ça peut être pendant la prière, par exemple, ce fut mon cas, comme le cas des apôtres de l'agneau dans Acte 2. Ils étaient en un seul lieu, pendant qu'ils priaient, le Saint-Esprit est descendu et ils parlaient. Ils ont parlé de nouvelles langues et ils ont commencé leur ministère. C'est comme ça que moi, je suis aussi passé par ce canal-là. Alors, mais je, pour un peu vous répondre encore bien à votre question, je me souviens, ce fut le 2 janvier 1992. J'étais très jeune, je vous dis très jeune. Je venais de finir les humanités. J'ai été appelé par le pasteur de cette assemblée, de l'église. C'était l'église Promesse de Dieu. Et c'était donc, il m'a dit de prêcher ce dimanche-là, le 2 janvier. J'ai encore bonne mémoire que c'était ce que l'Esprit avait dit aux gens, alors que je n'avais pas encore beaucoup de temps dans le Seigneur, mais je m'étais mis à lire la parole de Dieu, à chercher à la comprendre. Je me souviens que j'avais parler, prêcher sur les différents types d'arbres qui se trouvent dans le jardin. Arbre de la connaissance du bien et du mal, arbre de vie et un arbre bon pour manger. Et ça... Là, il y en avait beaucoup. Oui, mais ça tellement étonné. Ça, le Saint-Esprit avait tellement béni les gens que les gens ont compris que j'ai un avenir. Et quelques mois plus tard, dans la même communauté, dans la même église, j'ai été consacré évangéliste. Et c'est de on là... On peut connaître comme le nom du pasteur. Oui, le nom du pasteur, ce n'est pas un secret. Le pasteur s'appelle pasteur Barthélémy Mbouyi, Bilenga. C'est mon propre grand frère. Quand bien même il était pasteur, mais moi, j'ai sorti du petit séminaire et j'avais la voix... J'aspirais à être prêtre et je ne pouvais donc pas... C'est comme Jude et Jésus. Oui, bon, si on peut dire en quelque sorte, mais je n'adhérais pas à ce qu'il faisait pour moi. J'avais beaucoup d'idées à moi et je ne pensais pas que des gens peuvent être sérieux. Et vu aussi qu'à ce temps-là, beaucoup de frères dans le Seigneur n'avaient pas un grand niveau intellectuel. Et nous, avec nos petites connaissances qu'on avait, on pouvait jongler et un peu se moquer des gens. Mais comme le Seigneur est plus grand, il nous a attirés et nous sommes là aujourd'hui dans le Seigneur. Une petite question de curiosité. Oui. Pouvez-vous nous expliquer le mécanisme de cette conversion, de ce qui s'est passé? Bien sûr, ce qui s'est passé est biblique. Non, là je parle du mécanisme. Est-ce qu'on peut expliquer les phénomènes qui s'est passé entre votre premier jour où vous écoutez la parole de Dieu et la continuité de ce que vous êtes devenu? Bon, ce mécanisme, c'est comme je l'ai dit, quand un appel vient du Seigneur, c'est lui qui vous a appelé, vous soutiendra toujours, car la parole de Dieu dit « Les dons de Dieu et son appel sont irrévocables. » Alors, dès le jour que le Seigneur m'a appelé, il m'a mis à cœur, il m'a tellement ébloui
Dans le livre de Jérémie, le prophète Jérémie utilise le mot « séduit ». Il m'a séduit. Il m'a persuadé. Oui, il m'a persuadé au point que j'ai aimé avec un grand amour la vie de rester à la permanence pour la prière. La prière, l'évangélisation. J'aimais beaucoup jeûner, beaucoup travailler. Et tout ça avec l'assistance du Saint-Esprit, avec ce que je peux dire, la bénédiction du Saint-Esprit, et nous sommes arrivés, et nous sommes en train d'arriver, et nous sommes là où nous sommes aujourd'hui, allant pour aller encore plus loin avec le Seigneur. Dans le même cadre de la conversion, mais c'est comme s'il y a une différence aujourd'hui. L'ardeur que vous avez à cette époque-là, vers les années 90, le début, par rapport aujourd'hui, c'est comme si le phénomène Kilelo, permettez-moi l'expression, le phénomène Kilelo, a impacté aussi la vie des chrétiens aujourd'hui. C'est comme si c'est un peu différent. Ça ne peut pas étonner. C'est prophétique, le Seigneur l'a dit. Dans l'apostasie. Et je crois que dans Matthieu 24, le Seigneur nous a prévenus. Il nous a montré que l'amour diminuera beaucoup, la foi va disparaître pratiquement, parce qu'il le dit lui-même, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Nous, quand on a cru, nous étions jeunes. Et si vous regardez, on n'est pas encore vieux, nous sommes encore à l'âge, à la fleur de l'âge, mais nous avons compris que l'essentiel pour nous, c'est chercher Dieu, plaire au Seigneur. Parce que je ne vous ai pas dit, là où le Seigneur m'avait appelé, ce n'était pas dans un grand palais. En ce temps-là, l'église était construite en rameaux. Et on était là, aux yeux des gens, c'est un peu de la folie. Mais on avait un peu ce grand souci de faire ce que le Seigneur veut. Donc vous étiez zélé, il y avait une ardeur. Une ardeur terrible, c'est le mot qu'il faut dire. Une ardeur terrible et qui faisait que nous étions en mesure de nous oublier nous-mêmes. Nous étions en mesure de nous oublier nous-mêmes au profit du Seigneur. Si aujourd'hui les gens sont dans ce que vous appelez je ne sais quoi là, Kilelo, je ne sais pas, c'est parce que les gens travaillent dans des vies humaines. On travaille, on fonde des ministères peut-être dans des vies humaines. Et c'est comme ça que tout ce qui est permis pour réussir et peut être mis à contribution pourvu qu'on atteigne les objectifs. En latin, on peut dire le carpe diem, c'est-à-dire saisir le temps présent. Mais nous pensons que ce n'est pas de cette manière que nous avons reçu le Seigneur et ce n'est pas de cette manière que nous continuons à servir le Seigneur. Et la Bible dit aussi au niveau des Romains que ne vous conformez pas au siècle présent. Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Vous me soutenez dans ce que je suis en train de dire. Nous étions nombreux. Quand je vois notre génération, notre promotion, quand nous sommes arrivés au Seigneur. Jusque-là, on était nombreux dans cette église-là, les jeunes évangélistes. Mais je dois vous dire, peut-être avec chagrin, que nous ne sommes restés dans l'œuvre cadeau avec mon frère, l'évangéliste François Tshisambo, qui a l'église à Massine au quartier 3, que j'ai salué d'ailleurs. C'est pour dire que ce cheminement n'a pas été aisé de pouvoir rester dans le Seigneur depuis 91. Aujourd'hui, nous sommes en 2023 et nous sommes là. Et partout où nous sommes passés, parce que j'ai fait l'université, j'ai fait le droit, j'ai étudié à l'UNIKIN. Partout, même à l'UNIKIN, on savait que celui-là, c'est un homme de Dieu.
Donc ça n'a pas été mis en parenthèse un jour pour dire, voilà, je suis étudiant, maintenant je peux oublier. Non, pendant que je parle, j'ai beaucoup de fils ou de filles gagnés à l'université qui savent que non. En tout cas, Basile, c'est la priorité d'abord, c'est l'œuvre de Dieu. Je comprends que vous êtes un exemple vis-à-vis de vos camarades de l'école. Tout à fait, parce que quand il faut prêcher, on prêchait dans les auditoires. Ici, je peux saluer des amis avec qui on a travaillé, comme David Fondi, qui aujourd'hui est à la MONUSCO, il est pasteur de l'EPEP à Lingwala, Eric Massai et tant d'autres. Et Massai est un serviteur à Bandal. Alors, on a travaillé avec beaucoup de sœurs comme Yvine Beya, et ainsi de suite. Alors, tout ce monde-là, et nous étions obligés, chaque matin, d'apporter la parole de Dieu dans des auditoires. Dans des auditoires, et ça nous a coûté très cher. C'était une petite révolution qu'on a amenée à l'université. Et les professeurs, c'est à l'Unikine. À l'Unikine. Et les professeurs n'aimaient pas ça. Les professeurs n'acceptaient pas ça. Ils trouvaient que nous amenons la distraction à la colline inspirée. Et même en dehors des auditoires, j'encadrais dans les couloirs des hommes. Ceux qui me connaissent savent que, comme au homme 30, homme 20, dans des couloirs, chaque matin, je dois annoncer la parole de Dieu. Ici, je me souviens du frère Christian Kalonda, avec qui on a beaucoup travaillé aussi dans les hommes. Alors, si on est à l'auditoire, on doit prêcher. C'est qu'on doit être un exemple. Dans les hommes, c'est là qu'il y a des chambres. C'est là que les gens faisaient tout ce qui était, tout ce qui n'est pas acceptable pour le Seigneur. Mais on sait déjà que non. Celui-là, c'est un pasteur qui nous encadre, qui nous amène la parole. Et on ne peut pas se permettre n'importe quoi. C'est comme ça qu'on a étudié. On a terminé avec toujours ce saut. Et toujours avec cet amour pour le Seigneur. Donc, pour vous compléter, chers auditeurs, vous devez comprendre une chose. Il y a eu beaucoup de serviteurs de Dieu, il y a eu beaucoup d'apôtres. Je donne un exemple dans la Bible. Nous avons connu l'apôtre Pierre, ainsi que l'apôtre Paul. Il y a une différence entre eux, là, d'après ma compréhension, pasteur. L'apôtre Pierre a travaillé ensemble avec le Seigneur. Mais vous allez comprendre que l'apôtre Pierre a moins écrit au niveau de la Bible. Mais l'apôtre Paul n'était pas en contact direct avec le Seigneur, donc n'était pas parmi les apôtres du début, mais il a beaucoup plus écrit que l'apôtre Pierre. C'est-à-dire, avoir le salut, avoir les dons, complété par les études, fera du jour un autre extrait. Bon, je sais que bon, ça peut être sujet à débat, mais la parole... Ah, c'est juste une petite parenthèse. Oui, c'est très important ce que vous dites là. Et je vais aussi juste dire un mot brièvement. Ça peut faire sujet de débat, ce que vous dites là. Tout ce que moi, je sais que chaque serviteur, chacun a reçu de Dieu une grâce particulière. Oui, c'est vrai que l'apôtre Pierre n'a pas beaucoup écrit et on ne peut pas comparer l'apôtre Pierre à l'apôtre Paul parce que j'aimerais quand même ouvrir une brèche sur ce qui est du don des ministères. Et quand j'enseigne cela, l'apôtre Pierre fait partie des apôtres de l'agneau. Les apôtres de l'agneau. Qui sont ces apôtres de l'agneau? Sont les 12 qui ont marché avec le Seigneur. Et quand Judas s'est exclu de ce ministère, il a été remplacé par Matthias. Alors ces 12-là constituent ce qu'on appelle les apôtres de l'agneau. Paul est l'apôtre du Saint-Esprit. Mais j'aimerais vous dire, mon frère, le journaliste, que pour être apôtre, il y a des critères. Le premier critère, et on va en parler tout à l'heure, il faut que la personne appelée obtienne un mandat, un envoi, une commission.
Pierre l'a eu de la part du Seigneur, Paul aussi l'a eu, parce que si vous regardez Acte 13, vous allez voir que... Et là, pasteur, moi j'ai parlé sur... Oui, j'ai terminé, c'est très important pour ceux qui nous suivent, excusez-moi. Et la deuxième chose, un apôtre est celui qui a vu personnellement le Seigneur. C'est là pourquoi je veux vous dire que les études sont importantes, mais ne sont pas une panacée. Pierre a vu le Seigneur physiquement. Paul aussi a rencontré le Seigneur. Quand vous lisez, Paul lui vous le dit. Sur le chemin de Damas, il a rencontré le Seigneur. Donc un apôtre aujourd'hui, parce qu'il y a plusieurs apôtres, peut-être il y en a qui nous suivent, il y en a qui, peut-être les hommes ont dit, non, vous êtes apôtre, on n'est pas dans cette étude-là aujourd'hui. Mais les deux premiers critères pour être qualifié apôtre, il faut avoir un mandat, une commission. Pas une compromission. Non, pas du tout. Et ensuite, il faut rencontrer personnellement le Seigneur. Personnellement. Soit physiquement, soit dans une vision. Et c'est comme ça que ça... Alors, pour revenir à ce que vous... Oui, tout, j'ai dit rencontrer le Seigneur. Alors, pour vous dire ce que... Revenez à ce que vous dites, les études sont très bonnes. Moi qui vous parle, en dehors de ce que je suis pasteur, je suis avocat. Et comme j'ai fait les droits, je suis avocat. Mais je ne pense pas que ce qui me donne la connaissance, c'est le fait que j'ai étudié. Même ceux qui sont des théologiens, on peut être théologien, mais on ne connaît pas le Seigneur. On peut être grand théologien. C'est comme j'ai trop. Oui, on peut être grand théologien, mais on n'a pas. Ou bien même Nicodème. Non, on n'a pas le Saint-Esprit. Voilà. Nicodème, c'est un exemple. Nicodème. Là, j'ai parlé aussi de Jethro, le beau-père de Moïse. Le beau-père de Moïse, oui, sacrificateur, bien sûr. Alors, Nicodème, c'est un exemple, c'est un érudit. Mais il ne connaissait pas les voies de Dieu. Au point même que Jésus, si quelqu'un pouvait même rire, pardon, pouvait dire, Jésus s'est moqué de lui. Non, au point même que le Seigneur dit, mais tu es docteur de la loi et tu ne connais pas ces choses. Tu ne connais pas les rudiments. Mon frère, hein, mon frère journaliste, le Seigneur, on le connaît par révélation. Quand il se révèle à vous, que vous ayez étudié ou non, il se révèle à vous. Alors, vous avez parlé des écrits, j'ai béni le Seigneur, moi qui vous parle. Je suis en train de mettre par écrit la pensée du Seigneur. Et j'ai déjà terminé le livre sur le mariage, intitulé « Le mariage selon la parole de Dieu ». Il y a un autre qui est sous presse, « Expérimenter la loi de la toute-puissance de Dieu ». Il y a un autre qui est sous presse, « Le mandat divin ». Ça, c'est comme je viens de le dire, le mandat que j'ai eu. Il y a un autre, la triple crucifixion. Donc voilà, je ne vais pas tellement m'étendre là-dessus. Nous allons nous impliquer par rapport à cela pour que le tout se passe bien. Ben, Dieu nous a fait une grâce. Tout à fait. Nous sommes dans le média. Tout à fait. Nous sommes dans la presse parce qu'il y a une différence entre la presse et les médias. Tout à fait. Quand on parle de la presse, ça c'est l'aspect journalistique. Oui. Quand on parle du média, ça c'est l'aspect technique. Oui. Donc on va s'impliquer pour que les tout se réalisent dans de bonnes conditions, de la modernité. Donc là c'était juste une parenthèse par rapport à votre présentation. Là c'était pas le vif de notre sujet. Je vous en remercie. C'était juste le... On m'avait permis un peu d'exprimer mon passé parce que. Il y en a qui pensent que vous avez parlé de Kilelo, je crois. Oui, oui. Bon, nous avons un passé. Nous avons imaginez-vous, on est là dans le Seigneur depuis 90 ans. On est dans le ministère. Chez ma première publication, comme je viens de le dire, dimanche, regardez, j'ai même retenu la date. Dimanche, le 2 janvier 1992. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Vous voyez un peu le temps. Vous voyez. Le comment on a changé. C'est déjà 31 ans. Tout à fait. C'est déjà 31 ans. Donc là, si pour clore cette parenthèse, oui. J'allais lire une portion de la parole. Tout à fait. Romains 12, verset 2. Oui. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Là, je m'adresse à ce qui. J'avoue que cette parole est inspirée.
la vérité. Je crois, si on est appelé, parce qu'il faut que je précise, l'appel ne vient pas des besoins des hommes. Un appel ne vient pas parce que vous voyez qu'ici on manque de pasteurs, devenez pasteur. Non, un appel de Dieu ne vient pas aussi du plébiscite des rêves des hommes pour dire, voilà, j'ai rêvé que je vous vois devant, vous êtes en train de prêcher. Non, ça peut être un témoignage, mais ce n'est pas un appel. Donc l'appel ne peut pas aussi descendre du fait... Là, je vous promets déjà, on va faire une grande émission sur l'appel. Merci. Donc, parce que là... Merci. Donc c'est pour dire, hein, comme m'avait posé la question, à tous ceux qui viennent dans cette affaire, et l'affaire de Dieu, c'est de pouvoir comprendre les voies de Dieu. Et la parole nous dit qu'il faudrait que la patience produise son fruit. Alors c'est comme ça. Là, c'était juste une parenthèse par rapport à la présence du pasteur. Maintenant, nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Pasteur, nous sommes en l'an 2023. C'est une année complexe pour le monde, pour l'Église et particulièrement pour le Congo. L'année 2023 qui vient de commencer, comme je l'ai dit, a une particularité pour l'Église du Seigneur. Et une particularité pour RDC. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Bon, je vous remercie pour cette bonne question. L'année 2023, pour moi, le Saint-Esprit nous a inspiré de la classer sous l'édifice ou sous les signes du salut des âmes. Je dis que le thème pour nous, c'est année du salut ou pour le salut des âmes, année solution. Et vous comprendrez pourquoi. Pourquoi alors? Pourquoi? Parce que pour ces quelques raisons que je vais vous donner, je sais que je vais un peu rapidement. La première raison, c'est l'année pour le salut des âmes. Cela est le fruit, ça germe du cadre général du mandat que j'ai obtenu du Seigneur, de la commission au sein de laquelle je suis en train de travailler. Quel est le mandat que j'ai eu? C'est dans Proverbe 24, 11. Là, il est écrit, « Délivre ceux qu'on traîne à la mort et ceux qu'on va égorger, sauve-les. » Vous allez voir que... Proverbe combien? Proverbe 24, 11. Okay. « Délivre ceux qu'on traîne à la mort. » Je peux lire. Oui, lisez, vous pouvez lire. Proverbe chapitre 24, verset 11. « Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger. » Sauf. Alors, le salut des âmes, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour le Seigneur. Et le mandat que j'ai obtenu, c'est comme quand il a envoyé les apôtres de l'agneau dans Matthieu 28, vous allez voir le verset 18 jusqu'au verset 20, il a dit « Allez ». Il m'a aussi dit « Va », comme il avait dit à Moïse dans Exode 3, « Va, j'ai écouté, j'ai entendu les cris de mon peuple en Israël, maintenant va et délivre-le. » À partir de quel verset? À partir du verset 10. J'ai lu 7 à 10, oui, si vous avez le temps. 7 à 10, oui. Comme on a le temps, là c'est très important. Oui. « Allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité de mort. » Non, là, Matthieu, je parle Matthieu, si c'est Matthieu. Je suis en Matthieu 28. 18 à 20. Ah, ok. Je pensais que vous parliez de Exode. Ah, ok. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Oui. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. Enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Voilà, il a dit allez. Il a dit à Moïse dans Exode 3, va. Il a dit à Paul, excusez-moi,
Saul et Barnabas. Et dans Acte 13, oui, le verset 1 et 2. Acte 13, oui. 1 et 2, on peut lire. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode de Tétraque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Il les a appelés. Et quand vous continuez cette lecture-là, au verset 3 et même 4, on dit, « On pria pour eux et on les laissait partir. » On les a laissés partir. Alors, c'est dire que le mandat que j'ai eu, c'est de délivrer ceux qu'on traîne à la mort et de sauver ceux qu'on va égorger. Je crois que vous allez comprendre ce que Dieu m'a donné. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe autour de nous. Combien le diable fonctionne dans un ministère, je peux dire un ministère d'homicide, d'assassinat, ainsi de suite. Dans Jean 10:10, la Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Aujourd'hui, mon frère, le diable égorge les gens. Les gens partent très tôt, d'une manière prématurée, d'une manière précoce. Surtout les deux dernières années. Les années qui viennent de finir ici, c'était terrible. Ce sont des égorgements. Il a fait une crise, il est parti. Il a fait ceci, il est parti. Il était comme ceci quand en il a... cette journée, il y a de 10 000 morts. Morts, tout ça. Ce sont des égorgements sataniques. Parce qu'il est spécialisé dans ce travail-là. Ceux qu'on traîne à la mort, le diable a toujours des manœuvres pour entraîner les gens à disparaître. Des manipulations, des choses, des maladies incroyables, ainsi de suite. Voilà pourquoi le Seigneur, ayant vu tout ça, m'a donné ce mandat et m'a donné 3 bénéfices liés à ce mandat. C'est-à-dire la personne qui m'écoute, pas moi, je m'excuse, qui écoute le Saint-Esprit à travers ma personne, ma modeste personne, et qui croit ce que le Saint-Esprit m'a donné ou a dit, il a 3 bénéfices que je vais vous citer, et vous pouvez préparer ça, vous allez voir ça dans Psaume 34, le verset 13. Le premier bénéfice, c'est la vie. C'est la vie. Il faut que la personne, nous ayons la vie. Parce que Dieu n'est pas un Dieu des morts. Et même dans Psaume 6, dans les séjours... Psaume 34. Le verset 13, vous pouvez lire et je vais continuer. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Quel est l'homme qui aime la vie? Voilà. Qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Okay. Quel est l'homme? Il y a 3 questions là. La première désigne la vie. Quel est l'homme qui aime la vie? On ne peut pas être là, venir sur la terre comme si on est évacué de la terre. Regardez en Égypte. Quand Pharaon a compris qu'un libérateur va venir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné des instructions à Pua et sa collègue, c'est-à-dire les sages-femmes à la maternité, et étouffer tous les enfants mâles qui naissent d'Israël. Pourquoi? Pour qu'ils ne naissent pas. Aujourd'hui, ça continue, mon frère. Voilà pourquoi, dans l'église, j'ai pris à chaque culte pour toutes les femmes qui attendent la maternité. Les femmes enceintes. Enceintes.
Parce que vous allez comprendre que le diable, à défaut de tuer, de pouvoir étrangler ou tuer, égorger ces enfants-là, il peut opérer aussi, comme cela est écrit dans Matthieu 19, le verset 12. Là, on parle des eunuques. Et le Seigneur dit qu'il y a des eunuques qui les sont dès le ventre de leur mère. J'ai vu des enfants qui naissent. Un eunuque, c'est un improductif, c'est un impuissant, excusez-moi les termes, impuissant dans le sens qu'il ne vaut rien, même dans le sens normal, tout ça. Un eunuque, c'est quelqu'un qui ne peut pas produire. Voilà. En termes faciles, un être inutile. Il, presque, c'est pourquoi pas, mais bon, il peut être utile à certaines choses. Vous allez voir les rois. Et dans le temps, il y avait des eunuques qui s'occupaient des femmes des rois. Pourquoi? Parce que les rois, en confiant les femmes aux eunuques, les rois étaient tranquilles. Ils ne pouvaient jamais penser ni dire que voilà, il y aurait derrière lui un coup de force ou un putsch contre ses concubines ou quoi. Voilà pourquoi. C'est des hommes sans valeur. Bon, je ne sais pas. Mais regardez, quand on fait les recrutements pour la reine, pour remplacer la reine Vachi au temps d'Esther, ces filles-là ont été confiées aux soins de qui? Des eunuques. Agaïe était un eunuque et c'était des jolies filles. Et vous allez voir qu'il y avait deux types de soins. Les soins qui touchaient même au corps. Au corps, avec des aromates et consorts. Mais pourquoi le roi était tranquille que sa future femme peut être même touchée par un eunuque? Parce que c'est un homme qui ne peut rien faire. Donc le roi est tranquille. Alors je pense que c'est comme ça. Normalement, il y a des eunuques comme ça qui naissent. De le ventre de leur mère, le diable s'est levé et détruit ces gens-là. Vous avez déjà vu des gens, des enfants qui naissent comme des monstres. Mais ce n'est pas ça la volonté de Dieu. On les appelle le trisomie 21. Voilà, voilà, tout ce que vous savez. Tout ce que vous savez là. Vous allez dans certains lieux où on les garde, vous serez étonné de la méchanceté du diable. Et ces enfants-là sont nés comme ça. Pour quelles raisons? Quand vous allez dans Jean 9, on parle de l'aveugle né. Il est devenu aveugle quand? C'est dans le ventre de sa mère. Il est né aveugle. Il est né aveugle. Mais qui a détruit ces yeux? Et quand et pourquoi? C'est ainsi qu'il y en a qui sont. C'est, il y a aussi des eunuques qui les deviennent par les mains humaines, par les mains des hommes. Alors, c'est pourquoi, moi, je pense que le Seigneur dit qu'il faut qu'on ait qui est l'homme qui aime la vie. Nous devons avoir la vie. Nous devons vivre. Nous devons avoir la vie. Cette vie que nous avons est irremplaçable. Jusqu'à preuve du contraire, aucun homme ne peut donner la vie à un autre homme en dehors du mécanisme divin. Même ceux qui travaillent pour des procréations et in vitro. Les bébés éprouvettes. Éprouvettes, tout ça. Mais vous allez voir qu'à la base, il y a quoi? Il y a la sémence humaine. Dernièrement, il y a aussi une notion qu'on appelle clonage. Oui, mais tout ça. Mais bien qu'on fait ça, mais le clonage est consommé. Mais on utilise quoi? Est-ce que vous avez déjà vu quelque part dans une usine, que ce soit chez les Occidentaux, les Asiatiques ou même les Africains, on a fait un arbre ou un assemblage de fer et on a créé un souffle, on a mis et il est devenu homme? Jamais. En réalité, ce sont des illusions. Ce sont des illusions. C'est pourquoi l'homme doit avoir la vie. Et celui qui a le fils, il a la vie. Le deuxième bénéfice de ce mandat, c'est la longévité. On pose la question, qui aime voir ses jours être prolongés? Mais regardez, mon frère, dans le livre de Samuel, quand vous lisez le chapitre 3, vous allez voir, quand la colère de Dieu s'exprime,
Dieu dit à Samuel que dans la famille du sacrificateur Élie, à cause du péché des enfants du sacrificateur, il n'y aura pas de vieillard dans cette maison, dans cette famille-là. Il n'y aura pas de vieillard, c'est-à-dire tous doivent mourir à leur jeune âge. Alors, c'est dire que la volonté de Dieu n'est pas de voir les gens mourir dans leur jeune âge. Non, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. La volonté de même Dieu. Pas, même pour la condition diable jusqu'à 70 ans. Voilà. C'est pourquoi il dit dans Job 5, quand vous lisez le verset 26, il dit « Tu iras rassasier des jours, comme on emporte une gerbe en son temps. » Donc tu iras dans la tombe. Alors quand vous lisez le livre de quoi ça et Proverbe, chapitre 3, la parole dit, verset 1 jusqu'au verset 3, il dit, « Je mets pour toi, je te donne c'est les ordonnances, les commandements, les prescriptions. Les prescriptions, pourquoi ? Pour qu'il prolonge les jours de tes années. » C'est comme ça que le Seigneur, m'ayant fait grâce, veut que les gens puissent tenir, vivre longtemps. Donc, et le Seigneur n'aime pas la mort. Non, c'est l'ennemi qui fait ces choses-là. Comment un enfant doit partir à 10 ans? Pour quelles raisons? Vous allez dire, non, c'est Dieu, voilà. Non, non, il y a la longévité. Et enfin, le troisième bénéfice, c'est le bonheur de la vie. Un ami, quand on était à l'université, même quand on est sorti, on est avocat, il est aussi avocat, il dit toujours, non, mon cher, il faut que tu saches. A montré qu'il y a le bonheur de la vie. Il faut que quand en vivant, il ne faut pas dire que toute vie est vie. Non. Il y a une vie du Seigneur. Et ce que vous dites d'ailleurs, c'est biblique, je ne réfute pas ça. Dans Jean 10, le dernier alinéa. Excusez-moi, c'est la partie B, oui, la partie. Donc, in fine, en latin, on dit in fine, c'est-à-dire à la fin, vous allez trouver, la parole dit quoi? Il veut que les brebis soient dans l'abondance. Il veut que les brebis soient dans l'abondance. Donc, c'est dire que Dieu veut aussi cette abondance. Il veut cette abondance. Ça, c'est la première raison suite à votre question. Moi, c'est un peu de choses. J'ai choisi, j'ai été expliqué, et le Seigneur m'a parlé, j'ai répondu. C'est dans le cas général de Dieu partout et sur le mandat. La deuxième raison, c'est l'intérêt de Dieu. L'intérêt de Dieu, mon frère, par rapport au Seigneur, c'est le salut des hommes. Une personne qui comprend que l'intérêt de Dieu, quel est l'intérêt de Dieu? Dieu, son intérêt, ce n'est pas les costumes. Aujourd'hui, nous pouvons faire la course. J'ai dit ceci. L'abondance, c'est biblique. Mais on ne peut pas en faire une course. Une priorité. Le nombre de maisons, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Là, c'est normal. Mais, à quoi se retient nous? Oui, c'est tout à fait. On ne peut pas faire de ça la priorité de la vie. Et c'est ça qui a déçu l'Église aujourd'hui. Bon, mais c'est ce qui est malheureux. C'est ce qui n'est pas correct. Il me devenir matérialiste. Bon, regardez un peu comme moi je vous dis là. Depuis mon entraînement, on est dans le monde. Mais on se contente de ce que nous gagnons, de ce que Dieu. Ça lui est dit en Corinthien, car Dieu que tu n'as pas eu. Voilà. On se contente de ça. On bénit le Seigneur de tout ce qu'il fait. On se contente du pain qu'il nous donne. Une chose est certaine. Une chose qui est certaine, c'est que le Seigneur a dit,
je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Et ça, c'est vrai. Il ne nous délaissera jamais. Mais faire de la course pour être ceci, pour cela, cela n'est pas la volonté. Ce n'est pas ça l'intérêt du Seigneur. Quand on paraîtra devant le Seigneur, on n'amènera pas, on ne citera pas le nombre de biens, de voitures, de jets. Non, ce n'est pas ça. La parole dit dans Daniel 12 que c'est lui qui annoncera la justice à des multitudes, brillera comme une étoile dans la nuit. Donc l'intérêt de Dieu, c'est quoi? L'intérêt de Dieu, c'est de voir les gens être sauvés. L'intérêt de Dieu, c'est de voir que les gens le connaissent. C'est la seule réalité oui. Qui fait danser. Voilà, c'est ce que vous me donnez un peu de. Je vais d'abord vous donner Jean 17, le verset 3, qui dit « Or la vie éternelle, c'est qu'il te plaît, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. » Donc vous comprenez que la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. On ne cite pas le nombre de biens, ainsi de suite. Non. C'est Jean 17, verset 3. On peut lire. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Pas de Dieu. Pas de Dieu, non. Mais c'est pour cela cette année. Le Saint-Esprit nous a recommandé de mettre l'accent sur le Saint-Esprit. Il y a des gens qui meurent. Nous avons ce ministère. Quand on passe par le mandat, c'est-à-dire c'est le mandat que le Seigneur lui a donné. Oui, m'a donné. C'est son travail. Tout à fait. C'est son ministère. Tout à fait. Parce que les gens. Beaucoup peuvent comprendre. Non, les gens. Non. Oui, c'est ça. Les gens aussi doivent comprendre. Parce que nous ne voulons pas comme si nous nous recommandons nous-mêmes. Ils doivent comprendre que Dieu est fidèle. Depuis qu'il nous a donné ce mandat, moi, je vous dis, la grâce qu'on a eue, toute personne qui vient devant nous, même voilà, quand nous prions pour cette personne, nous avons obtenu cette grâce de la part de Dieu, la personne vit, la personne s'est bénie. Parce qu'il est temps qu'on arrête un peu dans les églises de donner trop de communiqués liés. Je n'aime pas. Ceux qui peut-être ne vont pas bien me comprendre, diront, mais ça fait pour même raison. Parce que Dieu, écoutez un pasteur, mieux vous parlez du nom de Jésus, s'il n'y a rien à dire, au lieu de parler de. Après ceci, les démons là, non. Parlons seulement de Jésus. Tout à fait. Bon, c'est ça, ce que nous pensons que l'intérêt de Dieu, c'est de voir. Vous avez dit ici tout à l'heure qu'il y a un jour au ciel quand un seul pécheur fait quoi? C'est comme un fils. Alors nous ne pouvons pas museler cette écriture-là au profit seulement de l'abondance et de la prospérité. Le Seigneur nous l'a dit, n'a pas dit vous chercher. Non, le Seigneur nous a dit de ne même pas appliquer notre intelligence pour vous parvenir. Nous dit comment allons-nous nous enrichir. Il nous a été possible. Le Seigneur nous a ordonné de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste, il nous l'a dit. Est-ce que Dieu peut dire en Dieu? Hébreux 17. Retenons fermement la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Je pense que vous êtes un bon lecteur pour le dire. Retenons fermement la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Voilà. Retenons fermement. Alors c'est dire que lui qui nous a dit que chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice.
Le reste vous sera donné par-dessus tout. Il ne va pas amputer la dernière partie de cette écriture. Non, ça va rester comme ça. Et tant que nous continuons avec lui, il est fidèle. Il va la prendre. Tu vois, le pasteur, si nous continuons là, nous allons vraiment prendre beaucoup de temps parce qu'on a déjà... Donnez-moi un peu une minute. Non, parce que nous avons des questions à poser. Oui, il nous reste des questions. Oui, je voulais un peu dire, donner la troisième raison. Oui, la première raison, j'ai parlé du mandat. Du mandat, oui. Du mandat où on ne doit pas toujours, on ne doit pas être là et partir pour ici dessus. La deuxième raison, j'ai parlé de l'intérêt de Dieu, l'intérêt de Dieu. Et la troisième raison, c'est... Le rôle, l'explication de la présence même du Saint-Esprit sur la terre. Je vais m'expliquer brièvement. La raison même du Saint-Esprit sur la terre, c'est pour sauver les âmes, pour amener le règne du Christ sur cette terre. Acte 8, je dis que mais vous recevrez Dieu une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Alors, c'est dire que bon, le Saint-Esprit ne peut pas être sur cette terre sans sauver les âmes. Regardez, mon frère journaliste, dans Acte 2, quand Paul et tous ses amis sont baptisés du Saint-Esprit, qu'est-ce qui arrive? Quelle est la conséquence matérielle qui arrive? Quand Pierre commence à enseigner, il y a eu la conversion des combien, plus ou moins 3000 âmes. Au même moment. C'est ce que justifie même la présence du Saint-Esprit sur la terre. Et quand vous lisez Luc 9, le verset 1 et même jusqu'au verset 4, vous allez voir, ou 5, vous allez voir que Jésus, notre Seigneur, a donné pouvoir. A donné le pouvoir aux disciples d'aller prêcher la bonne nouvelle. Et ce pouvoir-là, c'est ce même pouvoir qui y est revenu au moment convenu par le Seigneur. Et quand ils partaient, ils sont revenus heureux en disant que les démons nous étaient soumis, mon frère. Les démons peuvent vous être soumis avec quelle autorité? Si ce n'est pas l'autorité du Saint-Esprit, l'autorité de Dieu. Donc, la présence du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit sur cette terre se justifie dans ce qu'il y a, dans ce qui concerne le salut des âmes. Et vous allez voir, dans Luc 1, vous allez vous trouver dans le verset 69, la parole nous dit qu'il a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Puissant sauveur, il a la puissance pour pouvoir venir pour permettre aux autres de et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison. Continuez un peu avec ça. J'aime beaucoup. C'est, vous ne m'avez pas, on ne fait pas l'émission sur le mandat d'une manière exclusive, sinon j'allais vous montrer. Là, on aura le temps. Oui, ça, c'est le message du mandat. Le livre que vous lisez là, quand le Seigneur donne le mandat ou la commission, il y a deux choses, parce qu'il y en a qui nous écoutent. La première chose, c'est la vision. Et la deuxième chose, c'est le message. La vision, ce n'est pas ce que je compte faire, non. La vision dans ce cadre, c'est le constat que Dieu fait sur une situation donnée, sur un temps donné, comme il l'a fait pour Israël en Égypte. Il a dit, j'ai vu, et il lui a donné un message. Voilà, ce livre, c'est le livre, le message du mandat que nous avons reçu. Vous pouvez le lire, je conseille ceux qui me suivent de le lire à partir du verset Luc 1, 68 jusqu'à 79. Mais ici, je vous prie, lisez jusqu'au verset 74. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de Dieu, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses sept prophètes, le temps anciens. Un sauveur qui nous délivre des
nos ennemis de la main de tous ceux qui nous haïssent. Okay. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers mon père et se souvient de sa sainte alliance. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte. Verset, par exemple, 71, ce que les vœux du Seigneur, le verset 74, nous le dit encore, que nous sommes là, et le Saint-Esprit, c'est celui qui nous délivre, afin de nous permettre, mon frère, après que nous soyons délivrés de la main de nos ennemis, que nous puissions les servir sans crainte. Ça justifie ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Donc, la présence du Saint-Esprit sur cette terre ou dans l'Église, c'est justifié du fait qu'il est venu, c'est le puissant sauveur pour sauver les hommes. En deux minutes, pouvez-vous nous expliquer ceci? Le Seigneur. C'est le temps. Vous venez de lire dans le livre Message que comme il l'avait annoncé par la bouche des prophètes du passé, il est temps aujourd'hui. Je peux vous dire, mon frère, et les images sont là. Non pas que nous sommes là pour nous recommander, non. Au mois de novembre, les images sont là. Le Seigneur, le Saint-Esprit m'a parlé pour me dire qu'il y aura des calamités. Il faut prier. J'ai commencé à consulter la parole de Dieu et j'ai trouvé, l'Esprit m'a recommandé d'aller dans le livre de Daniel 10. J'ai trouvé qu'il y avait, et il a pris 3 semaines. Pour pouvoir empêcher les calamités de venir. Et le même moment, le Seigneur, il y a des images. C'est vrai, nous ne sommes pas des télé-évangélistes. C'est vrai, on ne passe pas sur des grands médias, on n'est pas là sur des chaînes de télévision. Mais je veux vous dire vraiment des choses. Et bientôt, il y en aura. Vous allez vérifier ça avec nos équipes et vous allez voir. Et le Seigneur nous a dit, par la bouche, bien sûr, de son serviteur, qu'il y a un bain de sang qui se prépare à la fin du mois de décembre et surtout par l'assassinat du roi ou du président pour ne pas aller de gauche à droite. Peut-être certains diront non, comme il porte le même nom, c'est pourquoi il me dit non, je m'appelle Tshilombo parce que quand je suis né, on m'a donné ce nom. Oui, c'est ça. Bien sûr, on est du même territoire parce que je suis né à Cameroun. Et voilà, donc c'est un peu ça. Mais nous avons prié. Et le Seigneur nous a dit, première chose, que vous verrez l'implication des Américains dans la résolution de la crise de l'Est. Il y a des images. Deuxième chose, le président ne pourra pas. Au contraire, tous ceux qui seront contre lui vont être ramassés. Mais j'ai été tellement béni quand j'ai suivi un peu plus tard le fait qu'on ramassait des gens, des espions qui étaient chargés de pouvoir détruire la vie du président. Non, nous, le mandat que nous avons, ce n'est pas qu'on. Nous prions pour le président en tant qu'autorité. C'est normal. Pour qu'il n'y ait pas de mort précoce. Pour qu'il n'y ait pas de mort prématurée. Et vous savez, tout chrétien doit savoir, si nous avons de la connaissance, que tant que vous êtes là, le ciel reconnaît votre présence et ne permettra pas des choses qui vont cribler notre foi. Qui vont cribler notre foi. Et aujourd'hui, nous avons ces résultats-là.
Nous avons dit que la RDC, dans quelques semaines, va devenir un pays honorable. Nous l'avons dit, il y en a peut-être dans l'église qui pensaient que nous sommes en train de débuter des choses, peut-être nous sommes dans un mouvement politique. Non. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu même la levée de là-bas. C'est le fruit des prières. Il y en a qui disent que voilà, c'est parce qu'on a... Non, mais les prières sont comptées. La diplomatie qui a été là... Il a réagi au profit de Ézéchias. Voilà. Alors, c'est pour dire le temps que Dieu a prévu que ce pays va se relever, personne ne va arrêter ce train. En fait, on n'a pas entendu. On ne s'était pas trouvé une compromis pour parler de cela. Mais moi, quand j'écrivais des questionnaires, oui, ça m'est fini. Voilà, c'est ça. Donc, qui pouvait penser aujourd'hui que la thèse de nos voisins rwandais pouvait être battue en brèche dans la conférence? Moi-même, hier, le président Rwanda fait une déclaration. Ça fait imaginer le même. Voilà. Ils se sont maintenant mis en confusion entre eux. C'est pourquoi moi j'ai pris selon la recommandation. L'écriture dit prier pour le roi. J'ai pris pour le président. Parce que c'est lui que Dieu a mis là, de sorte que par nos prières, qu'il ait la sagesse, qu'il ait l'intelligence, qu'il ait la force de pouvoir faire que ce pays se relève. Mon frère, qui peut penser? Que ce pays peut avoir un budget de 16 milliards 800 millions. Mais qui peut penser, qui pouvait penser à ça? Alors pour partager dans le budget de 4 milliards, si on a fait, on atteint 5 ans, c'est un exploit. Donc c'est pour dire, un miracle est en train de s'opérer dans ce pays. Je suis en train de dire. Voilà, c'est mon âge, Je ne l'avais pas suivi personnellement, mais j'ai entendu quand même que vous avez parlé. Nous sommes tous en 2019. Oui, nous sommes tous serviteurs de Dieu. Et le Seigneur peut utiliser n'importe qui de ses fils. Et comme ça vient de lui, nous devons utiliser le Seigneur. Si le Seigneur avait utilisé l'homme de Dieu et il avait perdu ça, je bénis le Seigneur. Nous t'en avons vers la fin de l'entretien. Ça fait un temps que nous sommes. Là, je ne vais pas dire, c'est parce que assez concerné le. Non, c'est juste un. Non, je sais. Donc, c'est grâce à notre regretté directeur, le pasteur Boutan, qui est sur la famille. Je bénis tout le monde. L'émission va en terminer. Donc, c'était là la première émission. Et c'est la première émission que nous avons continué. C'est-à-dire, quand je parle de première émission, là, c'est une émission vraiment de questions. Je pense que le pasteur a aimé. Donc, chers téléspectateurs, chers auditeurs, à partir de ces jours, et nous aurons à former, parce que là nous sommes dans la logique, là nous sommes dans la logique anglo-saxonne, nous sommes dans la logique anglo-saxonne, on est tic-tac, les différents personnages, dont l'église bénéficie d'une expertise, et nous allons continuer à former. Je dois sincèrement vous remercier pour
Bien sûr. Avant que vous parliez de 2023, j'ai même écrit 2023 sera plus meilleur qu'une étendue. Ceux qui ont l'esprit de Dieu ont compris ce que je vais dire. Parce que par rapport à l'année électorale, je vous dis déjà, ceux qui me connaissent très bien, connaissent bien ma position, mais je vais vous surprendre pour dire ceci. Je connais, c'est depuis 3 jours, je connais qui c'est le président de la République. Non par rapport à la volonté des hommes, il y a 3 jours seulement. Donc 2023, retenez ceci, 2023 sera plus meilleur que 1997. C'était bien à vous, bien aimé pasteur, notre bien aimé pasteur Basile, et ainsi que votre ami frère, bienvenue Kionga, que vous connaissez depuis des années à la radio ECC, à Promo Chrétienne en Allemagne, à Yahweh TV en Bruxelles, ainsi que à Congo Promo aux États-Unis. Donc nous sommes là avec notre nouvelle chaîne de télévision. C'est la Nouvelle du Salut Télévision. Nous sommes situés ici à Kinshasa, à Limete. Bon, disons à Limete, ainsi qu'à Lemba. Donc on dira, nous sommes situés dans la circonscription de Moab. Donc avec nos bien-aimés, nous vous saluons tous au nom de Jésus.